Rose contre les Twins, c'est la merde. Donc, Vivio étant à un niveau quand même un peu en dessous d'Alioune, on va avoir une première aperçu. Et si Luffy gagne, ça va être ça puissance 10. On va voir ce que ça donne. Allez, Vivio qui essaie de charger, qui charge sa focus. Qui charge sa super, enfin sa ultra dans la errate. Il veut passer par-dessus avec du dive. Voilà, il arrête, trouve une petite ouverture, trouve un pressing. Luffy qui focus, back dash. Pour Luffy, le jeu de la martingale de Luffy, le jeu de spirale. C'est connu maintenant, c'est un peu lui qui l'a inventé, c'est le papa de Rose. Allez, le pressing. Voilà, joli la petite glisside là qui casse le X-Lunge. Allez, Luffy qui est bien là, qui nous fait du Luffy là, il nous fait du Luffy. C'est-à-dire qu'il finit le premier round. Joli, joli combo là. Joli combo, allez, le Vortex. Allez, là, trouver un petit Bailed Punch, mais ça suffira pas. Un bas medium punch qui a cassé, je sais pas quoi, mais c'était joli. Continue à jouer du 2. Continue à jouer du 2 en offensive du coup maintenant. Il va jouer en offensive, il doit pas penser qu'il peut mettre une 1 dans les dives. Et voilà, ça lui permet du coup de garder un pressing et de garder l'ouverture. C'est joli. Ouais, c'est joli. Là, c'est du Luffy pur parce qu'il se retrouve avec la super intégralement chargée pour un dernier round. Donc là, il va rusher comme un porc pour nous mettre la super. Ouais, mais Vivio punit, enfin, rush avant. Donc voilà. Ah ouais, le moindre coup. Allez, dommage, il est obligé de mettre le X. Il est obligé de mettre le X là. Donc là, il perd une barre de X, mais il a trouvé un combo. Donc ils sont à égalité au niveau des vies. Allez, Yoon de Vivio qui trouve quand même globalement la bonne distance. Ouais. Il sait comment faire Shirose au niveau du positionnement. Allez, la chope là. Décage, chope là, c'est pas mal. Un petit backdash pour éviter le spirale. Allez, trouve l'ouverture, allez, la spirale. Allez, il n'y a plus de vie pour Vivio là, il n'y a plus grand chose. Il y a le main game de Rose, le main game de Luffy. Il adore les chopes. Le saut spirale pour en terminer. Ah, c'est très beau, c'est du Luffy. Dans le texte, tout ça. C'est son mind game à la relever là, avec le avant-arrière shot. Parce qu'en fait, de toute manière, comme Rose fait que des frame traps, ouais, t'es obligé de pas bourrer les boutons. J'avoue. Donc, si tu bourres pas les boutons, tu prends les shots. Donc, voilà, c'est ça quand vous voyez Luffy jouer avec les adversaires au sol. Ça peut être Mago, ça peut être Evan, ça peut être le sac du coin. Voilà, c'est ça, c'est de la shop à la relever. Parce que de toute manière, le BMP casse tout. Tout à fait. Allez, là, on avait Vivio qui est complètement dans le mind game de Luffy. Qui arrive plus à trouver, voilà, il trouve une ouverture au dragon, et là le dragon ça veut dire Vortex. Et le backdash ne se fait pas punir, c'est dommage. Le dive kick. Allez, faut le savoir que Luffy backdash beaucoup là, faut aller trouver des OS, faut trouver des launch punch là, faut aller les chercher ces backdash. Si tu vas chercher les backdash de Luffy, tu lui coupes un bras là, c'est son arme principale. Allez, jolie cette ouverture là, allez, ce combo raté. La déchop pour Vivio, la deuxième déchop. Allez, Vivio, il faut qu'il nous trouve quelque chose là. Il faut trouver une ouverture au dive, il faut trouver un gainage. Et non, ça ne sera pas le launch punch. Dommage. Ah, dommage, faut refaire le MP debout là. Bah, MP, ça suffira pas. Hey, bien joué le Soul Throw. Hey, Soul Throw qui vient d'en finir. Allez, Luffy qui a 3 barres, qui est exactement à égalité de barres avec Vivio. Voilà. Par contre, il a une balle de match point, tout simplement. Ouais. Match point pour Luffy. Et balle de match. Ouais, décalage, joli ça. Ouais, joli cette petite garde là. C'est bien fait, petite ouverture de garde. Voilà, joli avec eux. Après le LK. Sous le spirale, excusez-moi. Joli Vivio, ça dommage, ça va pas. Ça va droit, ça va pas au but. Elle a chop raté. Non, c'est pas un Tenshin, c'était une chop normale. Ah ouais. Ouais, il l'a fait un peu trop tôt. Allez, voilà, il joue l'Ultra 2, mais plus en relevé, il la joue en offensif là. C'est vrai que c'est intimidant, hein. Il avance avec son Ultra 2, t'as pas envie de le faire chier. Allez, joli là, la fin de Tenshin. Dommage, il va pas trouver le MP qui va lui permettre de mettre le Genei. T'aurais pu gagner le round avec ça. Bah, MP Shoulder, ça ne marche pas sur Rose. Voilà. Pas forcément bête. Bah, MP, MP Genei pour bien joué de la part. Et c'est fini. Avec Luffy qui nous a fait, bah encore, qui nous a montré que sa Rose n'est pas à la retraite non plus. Hein.